Le souverain est revenu également sur la force et sur l'importance des valeurs qui unissent les Marocains. Et je vous propose d'écouter l'analyse de Mustapha Sehimi, il est politologue. Des valeurs donc qui doivent être mises en exergue aussi, qui sont de nature à accompagner et à soutenir une politique d'ouverture vers les pays de l'Atlantique Sud. Et puis le Maroc aussi se distingue par ce que le souverain appelait la marque Maroc. C'est quoi? C'est la solidarité, c'est le partenariat, c'est l'entraide, l'ouverture, avec le fait que le Maroc bénéficie d'une crédibilité à l'international, crédibilité politique et aussi d'un partenaire économique conséquent, digne de confiance, ce sont les termes même du souverain, et c'est ça qui fait que le Maroc est armé pour mettre donc en œuvre cette politique-là dans la région et en particulier des pays de la façade atlantique, et c'est ça qui est à l'honneur, et c'est d'ailleurs, ce sont tous ces acquis-là qui font que la cause nationale aujourd'hui bénéficie du soutien de la majorité de la communauté internationale. L'analyse de Mustapha Sehimi qui sera notre invité à 13h10 sur Medi 1 pour revenir à nouveau sur ce discours à l'occasion du 48e anniversaire de la Marche Verte.